Voici l'homme qui s'est fait exploser ce dimanche en Allemagne, blessant 15 personnes. C'est en tout cas ce qu'affirme l'agence de propagande de l'organisation État islamique qui a publié cette vidéo du réfugié syrien auteur de l'attentat d'Ansbar. C'est le deuxième attentat revendiqué par l'organisation dans le pays en une semaine. Lundi, un demandeur d'asile avait blessé 5 personnes à la hache. Nous devons anticiper, a déclaré le ministre de l'Intérieur de Bavière. Tout le monde le ressent, nous sommes dans une situation dans laquelle les attaques comme celles commises à Bruxelles ou à Paris peuvent arriver en Allemagne. Que ce soit ici en Bavière ou en Rhénanie du Nord, en Westphalie ou à Berlin, nous devons être équipés de manière appropriée pour de telles situations. Le demandeur d'asile de 27 ans avait cherché à entrer dans un festival de musique où se trouvaient 2500 personnes, mais avait dû faire demi-tour car il n'avait pas de ticket. Sa bombe a détonné devant l'entrée.